Salut à tous, c'est Lumière dans une toute neuve de Ligue. Aujourd'hui, on se retrouve dans une Picasso Castinou, une méga rampa. Comme ça fait plaisir quand il n'y a pas de ralentisseur, déjà, je tiens à le dire. Hein. Ah ouais. C'est ce que j'allais dire, la salle. Effectivement, il n'y a pas de ralentisseur. Et Pedro, j'ai envie de dire, moi j'en ai eu un. Moi j'en ai eu un ralentisseur. Il y a Manro qui n'a pas décollé. Ah. Alors, moi, les gars, depuis tout à l'heure, j'enchaîne. Par contre, c'est stylé. L'aspiration, j'aime bien. Ouais, mais attends, parce que moi j'espère pas exploser à la fin, parce que je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont explosé. Oh, il y a un trou au milieu, les gars, il y a un piège. Faites gaffe, il y a un trou au milieu. Bah, c'est pas vraiment un trou, c'est juste que c'est plus fin, on va dire. Ouais, non, au début, même moi, je pensais qu'il y avait un trou. Hein, ah oui, oula, ok, bah je viens d'y passer, c'est pour ça, ouais. Oui. Allez, shit. Oh, avec la panto, tu tombes dedans, tu peux plus ressortir. Ah bah, je suis tombé dedans. C'est vraiment pas de chance. Et en plus, tu la voiture est partie en cacahuète et... Est-ce qu'il y en a un qui va rentrer dedans? Non. Attends, il y a un trou au milieu, t'as réussi à rentrer dedans. Je te jure que c'est vrai. Toi, t'as vraiment pas de chance, Pedro. Hein. T'es mouli, ouais, nous, il est mouli la salle, il est mouli. Il est mouli la salle. Il est mouli. C'est nouveau ça, c'est nouveau ça. Écoute, tout à l'heure, la salle, ils m'ont fait une sumata, hier soir. J'ai plein de gens qui sont venus toquer chez moi pour des bonbons, la salle. Ah bah oui, logique. Et qui m'ont dit des bonbons ou un sort, et tu doutes bien que je leur ai tout jeté un sort, la salle. Tu sais très bien comment ça se passe chez moi. Toi ou ta tante? Ouais, peut-être c'est pareil, je pense. Ouais, je peux te dire que là, ma tante, elle en a fait des sorts, à mon avis, là. Elle a dû se faire plaisir. Elle a dû se faire plaisir. C'est pour ça qu'Eden, il n'est pas là aujourd'hui, d'ailleurs, hein, parce que vous vous demandez pourquoi il n'y a pas Eden. Il a peut-être demandé des bonbons à ta tante. Quoi, il a peut-être demandé des bonbons à ta tante, du coup. Je crois, à mon avis. Parce qu'en plus, en ce moment, il est sur Nancy, il est pas à Clermont-Ferrand. Parce qu'il a une vidéo à faire ici, du coup. Et voilà, donc sûrement pour ça que. Hayden. Par contre, la salle, t'es combien de tièmes, toi? 7, et toi? Eh ben écoute, je suis deuxième. Mais je pense qu'on est tous collés en vrai. Oh, je suis peintier. Oh là là, pas ce véhicule. Le pire, la salle, la voiture de police. La voiture de police. Waouh. Mais vas-y, quoi. Il y a une voiture qui m'a percuté. Non, ça m'a fait le bug. Non. Horrible. Horrible, la voiture de police. On fait que de se bloquer. Ah. Ah ouais, je peux même plus avancer. Ah oui, waouh. T'as vu? C'est affreux. Oh la salle, mais c'est pas possible, y'a tout le monde qui me dégomme. Non mais tout le monde descend dégueulasse avec la voiture de police. Il manquerait plus qu'on les... Regarde, regarde. Elle fait que taper. Ouais, je peux rien faire. Hein. Non, tu peux rien faire, cherche pas, c'est tout le monde pareil. Ah ouais, mais là on va perdre... Mes places, c'est l'un des pires véhicules. Hein. Ouais, là, c'est... Ouais, c'est trop... Pourquoi les voitures de police sur GTA sont comme ça, je comprends pas. C'est normalement c'est censé être, tu vois, la police, tu vois. C'est vrai qu'elles rebondissent beaucoup trop, je comprends pas. Et du coup, la salle, est-ce que t'as testé le nouveau Red Dead sur PC? Je dois dire la vérité ou... Bah oui, t'as mis le code et tout, tu l'as téléchargé. Parce que Rockstar nous a envoyé, les gars, le nouveau Red Dead sur PC, parce qu'il y a Red Dead qui est sorti. Sur PC, là, pour remasterisé. Et j'ai entendu qu'apparemment t'étais déjà à la 10e mission, je crois. Non, il y a le trou. Eh bah, je voulais pas le dire, mais voilà, tu l'as dit. À la 10e, ok. Voilà. Mais est-ce que toi, t'as hâte de recevoir le mail qui va nous dire « Bonsoir Anu, bonsoir la salle, voici votre code pour GTA 6 ». Effectivement, je l'attends avec impatience. Est-ce que tu vas l'offrir à quelqu'un, ce code? D'ailleurs, la salle, oui, je tiens à dire, si jamais tu veux la PS5 30e anniversaire, j'ai notre ami qui travaille, tu sais où, qui en a commandé 5. Alors, il m'a dit qu'apparemment, il y a Nico Théo Off, hein, sur Twitch, qui en a commandé une aussi. Ah ouais? Voilà, donc il en a commandé 5, il m'a dit j'en ai 5 en stock, je les garde pour vous si jamais vous les voulez. Donc c'est les éditions, tu sais, les grises là, pour les 30 ans d'anniversaire. Elles sont à combien du coup? Ouais, non, je savais pas. Alors il a commandé les 1 tera par contre, c'est pas les... Non, c'est pas les deux. Ouais, parce que les deux elles sont à 1400, il a pas réussi à en avoir, mais il a eu les autres à 600 là. Enfin les normales quoi. Oh.
Par contre, j'ai vu qu'elle se revendait à 1300€ la salle. D'accord, ouais, mais c'est le but c'est de la garder quand même. Enfin... Ouais, bah y'en a, ils font du business dessus. Hein. Ça, je trouve ça dommage pour les collectionneurs, tu vois, parce que c'est ce que je disais avec le gars. Bah, par exemple, celle à 1300, bah, elle se revend 3000€, tu vois. Hein? Bah oui, parce qu'il y a que. Il y a pas beaucoup d'exemplaires, tu vois, ils ont pas fait beaucoup d'exemplaires. Donc. Mais bon. Écoute, après... si y a un pigeon qui l'achète à 23 ou je sais pas combien 1000€, ouais, c'est. Non, 3000. Ah! Au bah même! 1400. Ça reste un pigeon quand même! Bah, c'est ça. Hein. Ouais! Après, t'as des collectionneurs, bah voilà, tu vois, ils l'ont pas eu. Mais... Bah non, c'est un collectionneur, tu la commandes quand elle sort, point, quoi. Enfin... Ah, mais si t'arrives pas à avoir le stock, vu que c'est limité, vu que... Donc t'es un collectionneur, c'est-à-dire que tu t'intéresses à ce genre d'objet et t'es même pas au courant que ça sort et t'as... Non, mais il y a... Non, non. Non, bah, tu t'intéresses t'es au courant que ça fond, sort, mais tu peux pas l'avoir, vu qu'il y a des gens qui... il y a plus de stock, tu vois, vu que les gens... Vu qu'en gros, il y avait plus de stock en... Même plus, je sais pas combien de temps, là, direct, bah du coup... En fait, je t'explique. Maintenant, il y a un business, en gros, c'est que les... Genre, il y a des entreprises qui vont acheter, par exemple, 500 exemplaires, tu vois, avec différents bots et tout. Et du coup, bah après, ils vont les rendre, tu vois ce que je veux dire. Voilà, ils leur rendent le double du prix. Comme quand il y a eu la rupture de PS5 au début, tu sais, il y a eu une rupture de PS5. Et du coup, ouais, bah, les gens, ils leur vendaient 300€, 300, 400€ plus cher, tu vois. Le problème, c'est qu'ils empêchent les gens d'acheter tranquillement leur console, quoi. Voilà, et ils empêchent les collectionneurs, bah du coup, bah de collectionner, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Mais en soi, la salle, bah figure-toi que il y en a 5. Donc j'ai dit, moi j'en prends une. Je pense que je vais en prendre une, la salle, tu vois. Ouais, bah pareil, hein, écoute. Tu lui diras de nous en mettre une chèque. Hein. Il m'a dit, j'en ai commandé 5. Il m'a dit, normalement, je vais en recevoir. Bah, il m'a dit, soit je reçois les 5, soit des fois, bah il bégaye un peu. Genre, il t'en envoie que 3 ou 2. Il m'a dit, si j'en ai 5, enfin, si j'ai les 5, bah ça sera pour vous. Il m'a dit, si j'en ai que une, bah ça sera pour Nico, parce qu'il a demandé en premier. Mais voilà, bah si jamais il y en a deux, bah je m'en fous, ça je la laisserai pour toi, tu vois, mais je te c'est gentil, ça. Ouais, par contre, il y aura une taxe là, qu'on appelle la taxe Unwin, c'est une taxe de 600€. C'est-à-dire, au lieu de la payer 600, tu la paieras 1200. Ça va. Je rigole. Non, en vrai, elle est belle, en plus, la manette grise et tout, tu vois, genre vraiment en mode PS1, tu vois, c'est... En plus, toi qui as connu la PS1, la salle, enfin voilà, quoi. Ah oui, c'est vrai, ça, la PS1, ça faisait le son du début, il était incroyable. Et bah, il y a même le son du début, la salle. Mais non. Bah oui, je crois. Hein. Quand tu l'allumes, ça fait le son de la PS1. Oh, rien que pour ça, je la veux, alors. Et du coup, elle sort le 23 novembre, la salle. Donc, on a le temps. Ah! Effectivement. Et puis, si jamais je fais une petite vidéo unboxing... voilà, et quoi. Un mois après, il y a... Squid Game qui sort, c'est bien. Et du coup, c'est une méga rampe ou c'est une vidéo information? Alors, c'est une méga rampe, mais on discute, tu vois, on discute. Voilà, je te raconte un peu ma vie. Il m'a perquisitionné pendant 15 minutes. Voilà, dédicace à lui, très gentil, très sympa de sa part, Seb Lafrite, on l'appelle. Et du coup, voilà quoi. Pas mal. J'ai pensé à toi, là, ça. J'ai pensé à toi. Il m'a dit, j'en ai 5. J'ai dit, écoute, moi, tu m'en mets deux de côté, une pour moi, une pour la salle. Et bah, t'as bien fait parce qu'en plus. La vigilante, elle bloque comme la voiture de police. Mais tu te dis bien comment je vais bombarder. Bah moi, ça fait deux fois que ça me bloque. Hein. Bon, je sais que le Westlander, il est un peu dégueulasse. Est-ce que t'as réussi Est-ce qu'au début, genre, t'as... Ouais, j'ai boosté vers le haut et tout. C'est ce que j'ai fait actuellement. Bon, j'ai failli tomber dans le trou avec le Westlander. Je crois que je suis trop à droite, à gauche. Ouais, je suis trop à gauche. Ne me dis pas que t'es tombé en vigilante. En fait, j'ai plané, mais ça m'a mis vers la gauche, je sais pas pourquoi. Ok. Pourtant, j'ai bien plané comme là, tu vois, tout droit. Par contre, faut pas que je rentre dans le trou. Ouais, toutes les vigilantes à celle qu'il y a. Oh, ouais, c'est abusé. Oh, bah, alors, effectivement, on peut pas rattraper. Ouais, non. Oh, j'ai bien remonté, je suis 11ème. Il y a un véhicule qui m'a foncé dessus. Non. Elle est catastrophique, la vigilante, la salle, c'est quoi ça? Bah, je te l'ai dit, hein. Ah ouais. Elle est hyper basse. Tombé, hein. C'est même pas le bloc, c'est même. Ça s'arrête. Oh là là.
Attends, l'avion il est pas du tout résistant. C'est quoi ce délire? Bah, à chaque fois que je me prends quelqu'un, j'explose. Ok. Plus voilà. Bug de spawn, d'accord. Je vais gérer le frein à main. Ok, là j'atterris bien sur un truc comme ça, c'est bien. Et bah, je pense que je vais le passer du. Bah, par contre, j'ai perdu toutes mes places, hein. Abusé. Pareil. Je suis dixième de la salle. J'étais deuxième avec la vigilante, ou quatrième, je sais plus. J'ai perdu toutes mes places, les gars. Bon bah c'est mort. À mon avis de vous deux, je ne pourrai plus rattraper cette Megaramba, Lily Megaramba. Pedro, t'es combien? Parce que je vois tout à l'heure que tu parles pas. 11ème. Ah mais t'es derrière moi en fait, t'es avec la vigilante du coup. Ah je te vois descendre là. J'essaye en tout cas. Bah moi je suis passé de premier à 7ème parce que j'ai explosé deux fois en avion. Sur des véhicules en plus. Bon mais certes je volais bas mais... À mon avis c'était les vigilantes hein, qui t'en dégomment pas du tout. Non, même pas. Une super sportive et le 4x4. Ah, bonsoir la salle. Allez. Hello. Ok. On est pas... En le 4x4 passe bien, le 4x4 passe bien. Ok, je suis 9ème. Chaque carré blanc, les gars, ça représente un véhicule, je crois. Donc il nous en reste plus peut-être que deux derrière celui-là. Chaque carré blanc. Voilà. Enfin, pas les carrés, là, tu sais, t'as des petits carrés orange, bleu. Bon, là, il était blanc, du coup. Ah. Non, mon la première fois que je tombe dans le trou. Aïe, ah bah tu vois. Avec le 4x4, oh my god. Le karma la salle. Faire quoi? Oh le 4x4 il passe très très bien même, waouh. Cette barrage. Il passe bien dans le trou aussi. Hein. Attends parce que moi je suis pas loin du trou là. Je suis directement allé à gauche. Ah ouais c'est... Ouais, j'ai tout rattrapé la salle avec le 4x4. Sur le plat il avance pas. GG. Allez. Ouais, il a du mal par contre. Hein. What the fuck, il a pas de patate ce 4x4, c'est quoi ça? C'est ouais, fou. Par contre, moi le mien il va trop vite. Atterris en bas, tu vas voir. Normalement, en bas, tu vas déraper. Ah, ok. Non, mais je pensais dans la. Non, non, bah, non, dans la rampe, franchement, ça va, là, tu as patate. Mais par contre, quand t'es en bas, y'a ma grâce. Ça, t'as pas besoin de finir, madame de nous. Pedro, je te vois plus. Bon, je suis 7ème. Ah bah, je suis juste derrière Filou. En bas, c'est un dozer en fait. Je suis derrière Filou. On est tous, on est tous avec Pépin. Ouais. On est tous ensemble. Alors, quel est le prochain véhicule? Westlander, c'est ça? Non, on l'a déjà eu le Westlander tout à l'heure. Non, on l'a eu. Il était dégueulasse d'ailleurs. Oh la coquette, les gars. Bon, la coquette, ça devrait bien passer. Je pense. On est à 22 sur 6. Sur 26, il nous reste, je pense, plus que deux véhicules. Il y a quelqu'un qui a mon aspi derrière moi. Ah ouais, Kaïs, il va aller loin. Il a mon aspi. Oh, ah ouais, il est bien là. Là, il est bien. Waouh. Il me faut de l'aspi. Il me faut un truc. Bon, c'est pas grave. Il m'a rattrapé, mais j'ai réussi à le re-rattraper. Oh, Kaïs, je les dégomme. J'ai des gommes, il a peut-être réussi à se rattraper. C'est compliqué, les gars. Par contre, je peux pas monter la salle. C'est quoi de cette super sportive? C'est de la daube. Ouais, ouais, catastrophe la coquette. Non, elle passe bien, je pense. Ah ouais, elle passe bien, mais en fait, quand tu te prends les boss. Attends, j'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Ah bah voilà. Ah, parce que moi, la mienne, c'est cata, hein. Non, non, non. Ah, les trois premiers sauts, ça s'est bien passé. Oh, il y a un caddie après. Oh là là. Caddie, à la fin, un dernier véhicule. Wow. Bah, je crois bien, je viens de doubler un caddie. Ouais, je pense que c'est le dernier véhicule, les gars. Ouais, toujours. Le caddie, ouais, toujours. C'est sûr à 1000%. Franchement, les gars, elle est pas mal. Hein. Je pensais qu'elle allait être hard, mais ça va. J'ai peut-être un petit peu galéré. Y a pire. Ouais, bah franchement, je sais pas comment j'ai fait, mais les gars, j'ai perdu du temps avec la vigilante. Hein. C'est la vigilante qui m'a fait perdre ma course. Aïe, 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 moi c'est l'avion. Bah en fait, je suis tombé deux fois avec la vigilante. Et du coup, bah. C'est compliqué. Je me dis pas qu'on va rester tout au fond là, avec le caddie. Ouais.
Et bah point final de la salle. Caddy. Caddy par contre il a mis un point de spawn à la fin. Ah ouais, en plus tu viens de loin avec le caddy la salle. Vas-y, commence pas à prendre mon aspi toi. Ah oui, je vous ai vu là. Regarde, il a mon aspi encore. Il fait que de prendre mon aspi, c'est pas possible. Ah bah y'en a qui tombait dans le coup. Ah non, il a pu tomber dans le coup. Non, il m'a dégommé. Ça va être tendu là, honnêtement. Bien Caddy. Non, catastrophe. Je me doute assez, ouais, je viens de te voir. Ils partent tous en freestyle avec le caddie la salle. Ouais ouais bah ouais je suis en caddie aussi, c'est hard. Le problème c'est que j'ai peur d'exploser. Oh mais y'a tout le monde qui me dégomme en fait. What? Comment ils vont pas? C'est toi ça la salle? En rouge ouais. Ouais, what the fuck? Tu m'as porté la poisse, merci à nuit. Voilà, tombe, je t'ai rattrapé. Oh tu me laisses en 7ème place mon pote. Mais vas-y, y'a tout le monde qui nous rattrape ou comment ça se fait là? Bah ouais, hein, c'est le caddie. Eh, comment ça, je suis 10ème là? Allez. Allez. Hein, le trou, oh là là. Oh la vache, j'ai failli me taper le trou la salle. Bah j'ai vu, t'es devant moi, donc j'ai vu. Oh. J'arrête pas de me retourner. Non, y'a quelqu'un qui m'a dégommé. Oh, caddie, devant moi, la salle. Bon bah à mon avis les gars. La salle fais gaffe parce que tu as ton classé. Hein. Non mais je me retourne parce qu'en fait il me manque une rouge, j'avais pas vu. Ah. C'est pour ça. Allez Kaïs, t'arriveras pas devant moi. Et bah les gars, 8ème place pour ma part. Bien joué. Après, c'est très serré, honnêtement, entre le 8 et le 7ème et le 6ème et le 5ème. La salle, t'as fini ou du coup ou... Ouais. Waouh. Oh, le pauvre, il y a un caddie qui vient de se faire dégommer, là. Il y avait du monde, quand même.